Bienvenue au domaine de Forges. Ce soir, nous accueillons les étoiles de Normandie. Venez, je vous emmène avec moi. Alors, nous sommes ce soir avec le chef Pierre Caillé et une partie de son équipe qui sont présents pour la première fois aux étoiles de Normandie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir se joindre à nous ce soir? Écoutez, c'est vraiment des belles soirées annuelles à Régional. J'étais ravi d'être invité. Et ben c'est super, on vous remercie de votre présence, l'association vous remercie de votre présence. Et qu'est-ce que vous comptez nous faire de bon? On va parler des ravioles avec des escargots, on a trouvé des escargots près de Valmont, à Etreville. On va travailler avec de la gaison, des petits pois, des feuilles, des produits frais de saison, super, on fait tout ce qu'on demande quoi. C'est parfait. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle soirée et amusez-vous bien avec tous vos confrères. Directeur, monsieur Richard Fricher, qui a lancé l'édition il y a plus de 10 ans maintenant. Alors, monsieur Fricher, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir reprendre cette généreuse fête après 2 ans d'absence? Écoutez, d'abord, c'est une fierté de pouvoir recevoir tous ces grands talents, tous ces grands chefs, tous ces meilleurs ouvriers de France, tous ces gens qui représentent la Normandie, qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans. Et puis, c'est également une fierté de pouvoir recevoir la Croix-Rouge 76 qui lutte ardemment pour défendre les droits des Ukrainiens. Donc c'est évidemment un gala caritatif, un gala de charité où tous les bénéfices iront à cette Croix-Rouge. Bon, vous remercie en tout cas de votre générosité, merci pour eux. Et puis en espérant passer une très bonne soirée en compagnie de tous ces chefs. Merci. Merci messieurs, dames, que se termine notre soirée des étoiles de Normandie. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, nous nous sommes régalés. Au plaisir de vous revoir dans notre magnifique domaine de Forges-les-Eaux. À bientôt.